la colline prend allure de campement. Des scouts de France de la paroisse Saint-Potin de Lyon viennent passer quelques jours au monastère pour travailler avec les frères. Donc, notre motivation profonde, c'était déjà de venir aider dans ce monastère, de se mettre au service de la communauté. Et aussi, comme on est dans un monastère, on peut se ressourcer. Et comme chaque année, il y a des nouveaux qui arrivent, de souder le groupe. En fait, chaque année, on doit faire un cap. Concevoir, agir et partager. Et cette année, notre cap, c'était de venir aider dans un monastère. L'année dernière, c'était d'organiser une veillée pour 150 scouts. Pour 150 scouts. Et chaque année, c'est des caps différents. Vous travaillez avec les garçons depuis plusieurs jours. Qu'est-ce que vous leur avez confié ? Nous avons un chantier de bordure. Alors du coup, ils ont commencé par tailler la haie. Et on a enlevé des pierres, donc il y a deux gros tas de pierres là, ils ont fait des beaux tas de pierres là. Et on va remplacer les pierres par des bordures là qui sont arrivées là. Voilà, alors du coup là ils ont fait une belle chantier. Et là on vient d'apporter du gravier, du sable, la bétonnière est prête. On va bientôt lancer la bétonnière et essayer de commencer à faire un peu de ciment. Ben, on n'avait jamais travaillé avec des moines avant, mais franchement c'est super bien parce que déjà on s'entend très bien avec eux. C'est des gens simples, c'est des gens simples et c'est vraiment très agréable. Ça permet un peu de nous poser aussi. Est-ce que vous avez eu des temps de partage avec eux? Oui. Hier soir en fait, on les a invités à dîner autour du feu. Ils ont un peu pu témoigner. On leur a posé quelques questions sur la vie du monastère de tous les jours. Très heureux de leur expérience de cette semaine, ils ont déjà promis de revenir l'an prochain pour consolider l'équipe avant leur départ en projet humanitaire.